Good morning, allez, Idan et Sisra, aujourd'hui, le Lonishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvora, Bat Esther et Lucienne, Bat Raina. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Nedarim, Perek Zain Mishnah Aleph. Anoder mina yarak, mutar, badeloin. Rabbi Akiva Oser, Amrulo le Rabbi Akiva, Valo, Omer Adam, Nishlucho, Kach, Li Yerek, Omer lo matzati al adloin. אמר להם, כן הדבר, או שמה אומר הוא לא מצאתי על הקטנית, אלא שדלוין בכלל ירק, ירק, וקטנית אין בכלל ירק, ואסור בפועל המצרי לך, ומותר ביבש. Bon, on a encore un petit, deux tiers de chapitre, un petit peu lourd dans le sens, Chazou Shalom, la Torah est toujours belle et jamais lourde, mais dans le sens où on va rentrer dans des définitions de mots, qu'est-ce que ça implique? Comprendre le cas précis, c'est compliqué, on n'a plus le même jargon, même en hébreu moderne, ça ne va pas aller. Mais malgré tout, on va quand même pouvoir découler quelques principes. Le sujet de notre Mishnah, il est de définir qu'est-ce qu'on a, quelqu'un qui est noder mina yerek, quelqu'un qui s'est interdit les yerakot, les légumes. Maintenant, il faut bien comprendre, les légumes, ça implique plusieurs groupes de légumes. Tout ce qu'on va dire bourré pris Adama peut-être, des fraises et des légumes, ça me fait rappeler à quelqu'un que j'ai vu qui est le... Ouais. Quelqu'un a voulu commencer un régime à manger juste des légumes et des protéines, il a pris des fraises à la chantilly. C'est super, non? Ouais. Vous comprenez le problème? C'est quoi des légumes? Des légumes, ça implique précisément, il y a plusieurs groupes de légumes. Il y a les fruits de la terre. Après, je ne sais pas comment mettre la limite exacte. Il y a plutôt les herbes qu'on mange, qui viennent aussi de la terre. Il y a aussi les légumineuses, les pois chiches, les féculents. Ce qu'ils ont en fait plutôt des graines. Les graines, qu'est-ce qu'on implique dans le mot Yerek? C'est la problématique de la Mishnah. C'est sûr que non. Quand on va dire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais traduire vite fait la Mishnah. Vous allez comprendre déjà le principe qu'il va y avoir avec un paramètre très intéressant. De manière générale, imaginez que vous voulez faire une soupe. Vous envoyez votre mari, femme, fils faire une des courses pour aller acheter des légumes. Parce que vous avez envie de faire une petite soupe. Alors, il ne va pas revenir à la maison et dire « J'ai pas trouvé des légumes avec que des fraises. » Les fraises, c'est pas des légumes. On ne fait pas une soupe avec des fraises. D'accord? Par contre, il va peut-être me dire « J'ai pas trouvé des légumes, mais parce que j'ai trouvé que de la courge. » Ah, la courge, ça devient différent. Bien que la courge, aujourd'hui, on utilise de manière... on utilise plutôt la courge dans pour en faire des soupes, justement. À l'époque, apparemment, non, je ne sais pas exactement. Sauf si de Louis, c'est autre chose, il faut faire très attention. Quand on étudie toutes sortes de vocabulaire dans les Mishnayot, ne pas le confondre avec le vocabulaire de l'hébreu moderne. Il y a souvent des grandes erreurs. Il y a celui qui a écrit, qui a relancé l'hébreu Ben Yehuda et les airs Ben Yehuda, c'était un ancien étudiant en yeshiva qui est devenu complètement laïque et qui a. Il s'est fondé sur ses connaissances, mais avec des fois des graves erreurs. Il y a des livres entiers qui ont été rédigés pour prouver, pour mettre en évidence toutes sortes de... Même moi, j'en ai déjà découvert des fois des nuances assez originales, des différences, des incompréhensions. Et donc, on peut surtout pas se fonder sur l'hébreu moderne pour ensuite étudier une Mishnah. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle Yerek et il y a ce qu'on appelle Dlouin dans la Mishnah. Les Dlouin, vraisemblablement, ça doit être des sortes de... courge ou de courgette. Maintenant, malgré tout, c'est pas inclus dans les. C'est oui, c'est à la limite entre les légumes et pas les légumes. Il y a une marque sur ça. Et donc, je vais utiliser les termes utilisés dans la Mishnah et je ne vais pas les traduire comme ce que nous avons entendu maintenant parce que ça se trouve, ce sera faux. Donc, on parle maintenant d'une personne qui a noder mina yerek. Il a fait un neder qui s'interdit les yerakot, les légumes donc. Moutar badlouin, il aura le droit de manger des dlouin. Ça peut être de la courge peut-être, ou je ne sais pas. Rabbi Akiva Oser, Rabbi Akiva interdit de manger les Dlouin. Sur ça, maintenant, regardez la discussion qui va entre Ramim et Rabbi Akiva pour savoir est-ce que les Dlouin, ils rentrent dans la généralité des Yerek ou non. Amroulo les Rabbi Akiva, ils ont dit à Rabbi Akiva, Valo mer Adam lishlucho kachli Yerek, Vomer lo matzati al Dlouin. Ils disent, un homme, il envoie son chaliach, son émissaire, son envoyé, son ami pour lui faire une petite course. Il lui dit, ah tiens, ah, t'es là-bas au supermarché, achète-moi un petit peu des yerek, des légumes. Yerek. Et l'autre, il revient, il lui dit, non, il n'y avait pas d'yerek, il n'y avait que des dlouin.
Ça veut dire que les Dlouin, ça ne s'appelait pas dans le grec. Il ne va pas venir dire, non, il n'y avait pas d'irakot, mais il n'y avait que des courgettes ou il n'y avait que des concombres. Des concombres et des courgettes, ça s'appelle des légumes. Donc quand tu dis, il n'y avait pas des... s'il revient, il va me dire, non, il n'y avait pas des légumes, il n'y avait pas des irak. Il n'y avait que des Dlouin. Ça signifie que Dlouin, ça n'entre pas dans le cadre des Dlouin. Comme ça, il rétorque, Chachamim, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva leur répond, Amar Lahem, Canada va, c'est super ce que vous me dites, c'est un super exemple. Au schéma Omer ou l'eau massatia la kitnite, peut-être qu'il va lui dire j'ai trouvé que des kitnites, que des légumineuses, que des graines. C'est sûr que non. Je t'ai envoyé pour acheter des légumes. Alors tu peux revenir en me disant, il me dit en fait Rabbi Akiva, justement, je finis la phrase, après j'explique. Et là, Canada va, au schéma Omer ou l'eau massati, Omer l'eau massatia la kitnite, et l'achat de l'eau birla la yrek. C'est justement la preuve que les Elohim rentrent dans la généralité des. Yerek vekitnit enon birchla l'yerek, et tandis que les légumineuses n'entrent pas dans la règle des irakot. C'est-à-dire, j'explique un peu mieux. Donc je vous ai dit, si j'envoie, imaginez, j'envoie quelqu'un pour m'acheter des fruits, pour m'acheter des légumes, alors il va revenir et il va me dire, tu sais, non, je t'ai rien acheté parce que finalement, j'ai pas trouvé des légumes, mais j'ai trouvé que ça. Alors il va me dire, j'ai pas trouvé des légumes, mais j'ai trouvé des chaussettes. Quel rapport? Il y a plein de choses dans un supermarché. Il n'y a pas forcément que des... Pourquoi tu me parles de chaussettes maintenant? Les chaussettes, c'est pas des légumes. Tu vas pas me dire, non, j'ai pas trouvé des légumes, mais j'ai trouvé des pommes. Bah, je te demande des légumes, pourquoi tu me parles de pommes maintenant? Mais si tu me dis, j'ai pas trouvé des légumes, mais j'ai trouvé... Parce qu'il y avait que quelque chose de à la limite entre le légume et le non-légume, selon des définitions que je sais pas comment... Alors là, dans ce cas-là, on peut entendre que cette chose-là, elle est à la limite entre le légume et le légume. En l'occurrence, j'ai pas trouvé des légumes, mais j'ai trouvé que des betteraves. Ah, alors là, ça prend une allure, ta phrase. Les betteraves, elles sont à la limite des légumes, mais c'est pas exactement des légumes avec lesquels on fait une soupe ou qu'on mange. Ouais, c'est un peu différent, c'est plus une racine, ou c'est plus... C'est-à-dire, j'ai pas trouvé... Alors là, je peux entendre que tu me dises, j'ai pas trouvé ça, mais j'ai trouvé ça. Parce que dans ce cas-là, il y a quand même... Il y a plus tellement de c'est assez proche les deux notions, entre le légume et les Dlouin. Alors c'est justement sur ce point-là qu'ils sont en marquette Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi et Chachamim me disent, puisque tu ne me l'as pas acheté, et que tu reviens, tu dis, non, il n'y avait pas, il y avait que ça. Il n'y avait pas des légumes, il n'y avait que des courgettes. Donc ça signifie qu'il n'y avait que des betteraves, par exemple. Alors ça signifie que les betteraves, c'est pas des légumes. Puisque tu ne me l'as pas acheté, et que tu viens, tu me dis, non, il n'y avait que des betteraves. Donc des betteraves, c'est pas des légumes. Rabbi Akiva va me dire, mais justement, c'est la preuve par excellence que ça fait quand même partie à la famille des légumes avec lesquels on fait des soupes. Parce que sinon, tu ne m'aurais pas dit, non, il n'y avait pas des légumes, il n'y avait que des pastèques. Les pastèques, ce n'est pas des légumes avec lesquels on fait un... Hein, même si on dit, vous repriez Adama, c'est un fruit de la terre, c'est pas un légume. Ouais, vous avez compris l'idée. C'est la marquette qui est entre Rabbi Akiva et Chachamim. Quand maintenant, quelqu'un, il va me dire, que vous l'envoyez pour acheter, il revient, il vous dit, j'ai trouvé que cette... Cet intermédiaire-là, est-ce que ça est la preuve par excellence que l'intermédiaire ne fait pas partie de la généralité? Au contraire, il appartient encore à la généralité, même s'il a déjà un pied vers l'extérieur. C'est le point de la marquette entre les deux. Et on conclut la Mishnah avec Anoder Aveasur Befola Mitzri Lach ou Moutar Beyavesh. Et il n'aura pas le droit de manger celui qui a s'interdit des irakot. On a fini l'histoire entre les Dlouin. Mais on continue avec maintenant la marloquette entre Rabbi Akiva une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Va sourbe foula mitzri lach, il n'aura pas le droit de manger des foula mitzri lach, des foula. Alors, en hébreu, on traduit le foula par des fèves. Je suppose que c'est la même chose même à l'époque. Je ne sais pas c'est quoi cette fève grecque, cette fève égyptienne. On en parle beaucoup dans la Torah. Je ne sais pas quoi ça ressemble comme plat. Mais en tout cas, ça se prend sous deux formes. Sous la forme sèche. Et sous la forme fraîche, on va dire. Un peu comme toutes sortes de choses, en fait, qu'on peut manger soit en frais, soit en sec. Et alors, la Mishnah me dit, quand tu t'es interdit les irakot, tu t'es entendu interdit les frais, mais tu t'es pas interdit les secs. Parce que les secs, ils ont plus dans les graines, dans les légumineuses, tandis que tant qu'elles sont encore fraîches, ça entre encore dans le cadre des légumes, en l'occurrence. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Tzlachakol, tout le monde.